L'objectif était de montrer que la douane, qui a un rôle de manière générale à l'égard des entreprises, a également un rôle à l'égard des entreprises du futur, entreprises d'aujourd'hui, entreprises de demain. La douane intervient de toute manière pour les aider dans leur opération d'import-export, dans la mesure où la conquête des marchés extérieurs est, je crois, un grand enjeu pour ces entreprises. Donc il était vraiment important de les sensibiliser sur ce point, parce que les entreprises du futur, plus que les autres encore, méconnaissent sans doute ce rôle de la douane, ce rôle de formalité administrative, dont elles ne comprennent pas qu'elles peuvent le transformer en opportunité de gain de temps et d'argent. Donc l'objectif, ça a été de leur expliquer la mission économique de la douane, le rôle de la douane en matière d'accompagnement, de soutien à la compétitivité des opérateurs. Ça, c'est la première chose. Ça a été également de leur expliquer le rôle des pôles d'action économique en région, qui conseillent, qui accompagnent totalement gratuitement les entreprises, qui les conseillent sur la réglementation douanière, sur les procédures, sur les facilitations, les simplifications à mettre en place pour aller plus vite sur les marchés extérieurs et à moindre coût. Ça a également été l'occasion pour moi de les sensibiliser sur l'importance fondamentale de maîtriser la douane, de l'anticiper. La douane doit être incluse dans les projets de développement des entreprises. Ça n'est plus une fonction mineure, ça n'est pas une fonction annexe, c'est une fonction clairement concurrentielle pour l'entreprise qui doit aller plus vite pour acheminer les marchandises ou pour les recevoir.